Catherine Deneuve et son amoureux sont sur ce chariot montés sur des rails. Mais la difficulté, c'est que lui tient également son vélo. C'est l'ouvrier typique avec son vélo et ils rentrent tous les deux. Alors le travelling se passe bien dans un décor qui est extraordinaire. Il faut voir que tout ça est peint en rouge. Les briques sont peintes en rouge. On pense bien sûr tout de suite à West Side Story. Ça se passe bien, ils sont obligés de chanter en playback, il y a des haut-parleurs qui sont accrochés là-haut, et là, 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 là. On va entendre cette musique pratiquement toute la nuit, car en fait, cette scène est très, très difficile à tourner. Lorsqu'ils arrivent à la fin du travelling, on y est pratiquement, ils doivent descendre tous les deux en douceur, mais il y a le vélo qui est là, et qui lui aussi doit descendre en douceur. Et à chaque fois, quelque chose ne plaît pas à Jacques Demy. Il continue. Mais on va devoir recommencer la scène tellement, tellement de fois que Catherine Deneuve, c'est certainement la scène la plus difficile pour elle de sa carrière. Elle va s'écrouler, elle va se mettre à pleurer. Et donc, les haut-parleurs qui diffusaient la musique, car ils chantaient en playback, étaient accrochés sur ce mur là-haut, des haut-parleurs très longs, fuselés, et moi j'avais ma petite chambre accroché tout au sommet là-haut, je voulais regarder cette Catherine Deneuve, mon Dieu qu'elle était belle.